Quand l'on parle de la gauche, l'on ne doit pas oublier un fait majeur. La gauche, c'est le dialogue. La gauche, c'est le rapprochement. La gauche, c'est l'approche fraternelle. Alors, quand on dit qu'on est de gauche, on ne tourne pas le dos au dialogue. Quand on dit qu'on est de gauche, on ne miette pas l'appareil politique qui a été créé de par la volonté, l'énergie et l'intelligence de tous. Quand on est de gauche, on ne crée pas autour de soi des fissures à l'infini. Cela, déjà, il faut le mettre en évidence. Parce que quand on a écouté les propos de M. Lahubert, qui de façon, je dirais, très simple, sans apporter d'éléments de preuve, a assis une accusation. J'aimerais dire que notre approche est celle-là. Au-delà de cela, le jeu des alliances est d'abord une quête stratégique d'un appareil politique. Le Front populaire ivoirien n'a pas à se justifier vis-à-vis du PPACI ou d'un quelconque autre parti. Nos attentes, c'est l'expression vis-à-vis des populations, dans une quête tactique et stratégique, avec pour finalité de mettre en avant la cohésion nationale. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est de gauche quand on n'a pas pu maintenir un appareil tel que le Front populaire ivoirien et qu'on a essayé même à certains moments d'entraîner dans une sorte de déflagration. Heureusement, la maestria du président Pascal Affine-Guessant a permis de sauver l'outil du naufrage. On ne peut pas dire qu'on peut rassembler au nom de la gauche quand les appels du pied du PPACI au début de sa mise sur les fonds baptismaux n'ont entraîné aucune approche, aucun rapprochement